Salut, monde de bâtards. J'étais en train de jouer aux Sims et je me suis dit, est-ce que je ferais pas une vidéo sur les Sims? Parce que c'est quand même assez rigolo. Je sais pas, ah oui, je sais pas si je vais le monter ou pas parce que j'ai un peu la flemme en ce moment, la grosse flemme de sa mère. Donc je sais pas. Alors. Évidemment, j'ai déjà une idée pour qui on va jouer. Faut que je randomise un peu. Parce qu'ils sont trop. Ils sont pas assez blancs. Voilà, lui il est assez blanc. Son prénom. C'est Joris. Son nom de famille c'est le sec. Je crois. Voilà, terrible. Terrible de. C'est dur. Alors. Comment est-ce qu'il va marcher? Est-ce qu'il est joyeux? Non. Est-ce qu'il est prétentieux? Peut-être un peu. Est-ce qu'il est assuré? Pas du tout. Non. Est-ce que c'est un bouc de la street? Non, je crois pas. Ah. C'est le Virgin Joris. Oh, petit Virgin Joris. Ah oui. Oh, c'est parfait. Aïe aïe aïe, on va le foutre comme il faut déjà. Aïe aïe aïe. Voilà, incroyable. C'est Kenyé. Le Kenyé blanc. Ah, c'est Eminem. Ah non, mais il a les cheveux longs maintenant, j'avais oublié, putain ce connard. Il a une coupe à la Valérie. Oh, ça lui ressemble un peu en vrai. Mais c'est encore un peu trop. C'est pas assez. Éclaté encore. Ah! Non, c'est un peu trop long. C'est les One Direction là. Il l'aimait jamais comme ça. Ah, quoi que. Non, je crois pas, non. Ah, celle-là, elle est pas mal. Ouais. Non, faut aller voir chez les meufs aussi. Parce que Joris, comme j'ai dit, il a une coupe à la Valérie. Ah, c'est quand même fantastique. La première idée qui m'est venue, c'était quand je voulais faire une vidéo sur les Sims. Ça a été tout de suite. Alors tout de suite de me dire quelle personne je vais faire en Sims. Ah, je crois que ça va être. Ah, direct. Ouais, ils sont éclatés quand même, hein, ces coupes. Oh. Oh, c'est lui. C'est Valérie. C'est bon. On a trouvé. Bon, maintenant il faut. Il est un peu trop beau. Il faut changer. Et putain, avec quelle couleur de yeux déjà, Joris? Oh bordel, faut que je lui demande. Alors je sais que il a un petit. Il a des yeux des steppes, hein. Des yeux de fouine. Des yeux du style plissé. Ouais bof. Bon. Il a un nez. Il a un très gros nez. Y'a pas des maxi gros nez là? Oh celui-là il est fantastique. Son nez on dirait. Oh oui! Oh c'est parfait. Est-ce qu'on peut. Oh oui. Oh oui. Oh là là. Encore. Oh oui, oui. Il a des gros sourcils. Ah, pas trop gros quand même. Il est très déter. Il est déter. Mais pas trop déter quand même. Faudra un truc. Voilà, c'est pas mal. Et puis, vu qu'il ressemble un peu à un homme des cavernes, faudrait faire genre. Voilà ça. Voilà. Voilà, c'est pas mal ça. Il a un peu une barbe à la Samy de Samy de Scooby-Doo là. Oh oui! Ah, terrible! T'as aussi la barbe du djihad. On dirait les caricatures de juifs là. Ça c'est Rudy, ça c'est pas Joris. Donc ça c'est parfait. Oh, il a la même gueule. C'est Joris tout craché. C'est tellement lui. Bon, après son style, on s'en bat les couches. Ouais, terrible. Oh, je regarde, c'est beaucoup trop bien. Oh là, mais c'est exactement Joris. Il faut la rajouter des tons. Faut mettre claquettes chaussettes. Claquettes chaussettes. C'est typiquement son style en plus, ça. Il a un corps de victime, donc c'est. Je peux. Voilà. Ouais, c'est parfait. Il a pas de cul, Joris, donc on va faire. Voilà. Ah, par contre, il a un peu d'acné.
Est-ce qu'on lui rajouterait pas un peu d'acné? C'est la foule, il commence à lui ressembler trop bien, putain. Je suis trop fort. Par contre, il a vraiment une gueule à s'appeler Valérie, hein, par contre. Ah bah du coup, là, il est bien dégueulasse comme il faut, là. Parce que je vais faire son nez encore plus gros. Oh oui. Bon, on va pas trop tirer sur l'ambulance, quand même, hein. Parce que ça se fait pas. Alors, Joris. Joris, son but dans la vie, c'est de baiser. Il veut baiser. Âme sœur, si tu veux trouver le grand amour, et mener une vie gratifiante avec lui. S'il veut s'amuser, et aller des rencarts avec toutes sortes de personnes intéressantes. Est-ce que Joris, c'est le genre chercher le grand amour? Je pense pas. Je pense qu'il veut juste baiser. Il est actif. En vrai, il est actif. Donc on va mettre actif. On va mettre... C'est le seul bon truc qu'on va mettre sur lui. Ce fils de pute là. J'avais pas envie d'être gentil avec Joris, mais bon. En vrai, il n'y a pas tellement de trucs à redire sur sa personnalité. Hein. Non mais après, il va être trop déter. Ah, il adore la nature. Il aime la musique aussi, mais genre après, c'est que des trucs bien. Il est dépressionné. Parce que comme tous les adolescents, il a une putain de dépression. Voilà. Bon, on va pas mettre que Joris en vrai. Est-ce qu'on ferait pas un petit Lucas aussi? Et j'ai pas trop envie de faire... Putain, j'ai déjà passé 20 minutes. On va juste faire Alexis ensuite. Ça va être un chien. Alexis, ça a toujours été un husky. Ça leur ressemble un peu, là. Bon, alors, on va lui mettre un truc comme ça, parce que Alexis aussi, c'est un gros whip de mort. Il est très intelligent, Alexis. Il est poilu. Bon, on va mettre indépendant, parce que on va pas trop... Okay, en vrai, c'est pas du tout Alexis, hein. on va foutre stressé. Voilà. Alors, ensuite. Oh, en plus, ils ont tous des noms de morts, là. Oh, sa mère. Bon, Lucas de l'os, là. Dire un nom allemand, sa mère. Il est assuré, Lucas. Un peu trop, même. Alors, on va espérer qu'il s'en cule pas. On sait jamais. On sait jamais, putain. Ah, Lucas. Bah, Lucas, il aime bien baiser, en vrai. C'est dur. C'est dur de créer un Sims, de créer des potes, un Sims pour tes potes, là. S'ils sont tous pareils, ils ont tous envie de baiser. C'est dur, ça. Ils ont tous envie de baiser, putain. C'est compliqué, ça. Quand tout le monde veut baiser, on va mettre popularité. Il aime bien l'argent, aussi. C'est un peu un juif. Faire un maximum d'amis et les garder. Oh oui, c'est parfait pour lui, ça. Sûr de lui. Pourquoi il a que 2-13, bâtard? Attends, j'ai fait un adulte, là? Non. Bon, on va juste mettre adoré la nature. Et j'ai foutu quoi, amoureuse? Voilà, parce que t'as une putain de dépression, bâtard. Bah du coup, toi aussi, chope une dépression, fils de pute. Voilà, c'est parfait. Ah, si je le fous... Genre, fous tous les deux des dépressions, ils vont se foutre une balle direct. Hein. Non, on va mettre matérialiste, plutôt. Voilà. Alors, Lucas. Oh, là, cette coupe. Oh, cette coupe. Oh, elle est dégueulasse. Moi, je vais lui mettre ça. Genre, ouais, c'est vrai. Il a des yeux comme ça. Voilà. Il a un nez comme ça. Et puis, il est haut, son nez. Puis, ses yeux, ils sont plutôt... Puis, il a pas des méga sourcils de sa mère, non plus. Il est déter. Est-ce qu'il est déter? Il est déter. Sa bouche, elle est haute, là. Oui. 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 Ah, cette gueule. Au secours. Ses yeux, c'est pas ça, ses yeux, putain. Yes. Il a vraiment une gueule à faire un petit Wingardium Leviosa. Il a des grosses lunettes, là. C'est un gros muscu. C'est un bon gros go muscu, Lucas. Attends. Oh là, terrible ce style. Terrible. Oh là. Ah, ça, c'est le look de riche, c'est parfait. On va faire... On va lui rentrer son cul aussi. Faire un gros bec. Ah oui, j'oubliais. Ah, c'est excellent, putain. Le Chad Lucas versus The Virgin Joris. Virgin Joris. Versus Chad Lucas. Bruh. Alors c'est parfait, c'est terminé. On a Alexis, Joris,
Et Lucas, oh ça, on va commencer en automne parce que c'est là que l'école commence. Pour bien te donner, foutre un petit seum là. On va les foutre en petit centre-ville. Ils vont habiter à Lyon. Non, c'est pas là où ils veulent aller. Lucas, il veut aller en Bretagne, là, je sais pas où. Mais ça, c'est pas la Bretagne. Hein. Bon, on va dire dans le truc, dans le lore, que c'est Jaurès qui a choisi l'appart. Bah on va dire que dans cet univers, Lucas et Jaurès vont au même endroit. N'oubliez pas de payer votre loyer. Attends, oui, non mais bâtard, ta gueule. Ok. C'est chez nous maintenant. Ah oui, j'avais déjà fait une partie. Putain, mais c'est... Quel plaisir. On arrive, il y a déjà le bordel par terre, là. Putain de trou de souris. Putain, mais il faut qu'il range, là, bordel. Bon, alors toi... Hop là. Moderne problème nécessite moderne... Hein, voilà, comme on dit. On fait pas le ménage ici, on vend les saletés. Enable non-deadly autonomy pour active. Hop, attends, il va faire quoi là? Punch guts. Ah, oh, ça commence. Non, stop. Voilà, on sait que Lucas, que Joris fait chier Lucas des fois, mais. Enable open gunfire autonomy. Oui, parce que Lucas il a un flingue. Putain, mais il a vraiment le truc séduisant. Bah, c'est terrible ça. Oh, bah, Joris et BG. Toutes les meufs de la Terre veulent baiser cet homme. Découvrez pourquoi tout de suite. Alors, est-ce que. En vrai, ça fait même pas 2 secondes que j'ai allumé le mode, ils veulent déjà se foutre en l'air. Est-ce que, pour le bien de cette série, je conseillerais pas cette action? Il a l'air très content en plus, ce bâtard là. Non, ouais, je vais garder. Cadiz dude. Bruh. Se donner des paroles d'encouragement. Bruh, je vois ce qu'ils sont courage. Oh non, il fait peur au chien. Putain, mais t'arrêtes de tirer partout. Ah, il y a les voisins qui arrivent. Ah, mais y'a quelqu'un qui est mort. Attends, il est en train de tirer sur qui là? Attends, depuis tout à l'heure, il tire sur un gars. Putain, mais bro. Il a juste décidé de tirer. Ah, c'est. Ah putain, j'ai oublié un truc. J'ai oublié un truc. Attends, j'ai entendu un tir là. Oh mon dieu. Oh mon dieu, non. Joris, non. Joris, ne fais pas ça, Joris. Je sais qu'on rigolait sur le même affronte les arabes, mais quand même. Non, Joris. Bruh. Oh, c'est à cause de Lucas tout ça. S'il avait pas foutu un pain dans le bide. Non, arrête. Joris, arrête. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Il est en prison! Il est en prison! Ça c'est la mauvaise influence de Lucas. Qui a déteint sur Joris. Putain, mais au secours. Et moi qui voulais jouer aux Sims, je me retrouve avec ça. Terrible quand même. Terrible ça. Ouais, du coup, Joris est en prison. Ah, les jeunes moroses dépressifs là à cause des études. Non, je dis de la merde. C'est à cause des jeux vidéo. Oh. Il a un cadavre sur les gueules. Ah, c'est terrible. Terrible ça. Ah, Lucas, il a beau être vénère, mais il est jamais. Ça a jamais été un tueur. Oh non, il pleure à cause de son ami qui est parti. Quel bro, Lucas. Quel bro. Devenir ami avec Joris. Ah, ça on va mettre en objectif. Parce qu'ils sont. Joris, c'est Lucas, même si. Si Lucas il fait chier Joris. Et l'inversement, il s'aime bien. Bon, tu vas te casser toi au bout d'un moment.
Ah, ils ont même laissé le cake aux fruits. Ah, ça se trouve, c'est à cause de ça qu'il l'a buté. Hein. Parce qu'on sait très bien que 50% de la population déteste les cake aux fruits. Hein? Il lui a arraché les cheveux? Est-ce qu'il vient juste de lui arracher les cheveux? C'est mystique, putain. Il chie. Tire la chasse, se lave les mains. Pour être normal. Après, c'est les Sims. Et puis, après ça, tire sur le miroir. Comme un être humain normalement constitué. C'est comme dans la vraie vie. Un clochard. Rey Mysterio. Rey Mysterio qui est devenu clochard après se virer de la WWE. Un enfant qui s'amuse dans le parc. Des gens qui jouent au basket. Et un gars qui tire dans la rue. Comme à New York. Comme dans la vraie ville de New York. Une journée normale à New York. Arrête de tirer. Ah, arrête de tirer. Hein? Qu'est-ce qui vient de se passer là? C'est qui a tué quoi? Bah, journée normale à New York. Hein. The power of booty. A weapon to surpass Metal Gear. Pouti. Au secours, est-ce que ce meurtre restera impuni? Oula, il s'est TP. Il vient de tuer une personne avec son cul. Et maintenant, il bouffe un cake aux fruits. Alors qu'il déteste ça. Oui, mais connard. T'as faim? Il a faim. Félicite-le d'avoir faim. Good doggo. T'as faim, bâtard? T'as faim? Nourris-le, là, avant que la péta, elle arrive. Non, mais bouffe pas devant lui. Non, mais il est content, en plus, hein. En train de bouffer devant sa gueule. Aucun putain de problème. Bah, du coup, le chien ne mangera pas aujourd'hui. Pourquoi tu dors sur le canapé, sac à merde, là, t'as... Quoi? D'accord. Bon, bah c'est normal. Attends. Eh ben, bah ça a été assez rapide, hein. Entre les deux yeux. Quel tir! Non mais ça... Headshot! Non mais mec... Non mais putain Lucas, tu déconnes là, bordel. Non mais... Oh là là... Il casse les couilles, hein. Oh putain, on avait dit que vous étiez potes là. C'est quoi ton problème, putain? Oh là là. J'aurais dû faire un Sims pour Alexis aussi. Hein. Il aurait crevé pareil, mais bon. Putain, mais Lucas, mais t'abuses. T'abuses, frère. T'abuses. Tu viens de tuer Joris. Bon, comment on va faire? Je suis obligé d'intervenir là. Épargne Joris, s'il te plaît. Vas-y. J'avais dit de que je ferais. Non mais vas-y là, Lucas. Hâte de te sucer la queue là. Allez. Tu
t'es pas un Joris. Il est pas... Il faut pas qu'il meure pour la série, il doit pas mourir. Hein? Oh oui! Oh! Putain, ça a marché! Oh, c'est incroyable! Bon, alors. C'est... Son âme? Ah non, c'est bon. Bon, il va garder juste une petite cicatrice, mais ça devrait aller. Ça devrait aller. Ça devrait. Crackneck, mais arrêtez, putain. Bordel, on t'a pas ressuscité. Oh bordel, c'est comme dans un manga. C'est comme dans Dragon Ball. On t'a pas ressuscité. En plus, ça fait 15 jours, putain. Ça fait qu'un putain de jour. Y'a qu'un putain de jour qui s'est passé et on a déjà tué 3 personnes. C'est quoi ces conneries, bordel? Non mais arrête par contre, arrête. Faut que t'arrêtes. Faut que vous arrêtiez là. Faut que vous arrêtiez. Et vous êtes potes, ok? Arrêtez. Vous arrêtez là. Non! I leave the bitch. Au secours. La vengeance, c'est un plat qui se mange chaud. Mais putain, mais arrêtez. Mais quel connard. Non mais stop, putain, stop. Alors, non mais va pas. Il va se coucher, ce connard. Il va se coucher. Ah non, il pleure. Ah, ça a crevé, c'est pas ouf. Hein. Bon, tu vas pleurer la mort de Lucas. Et après, vous allez arrêter de vous tirer dessus. D'accord? On arrête après. Putain, il a des trous de balles partout. tu vas arrêter. T'arrêtes. Ah, ça a pas marché cette fois. Non mais non. Bon bah écoute. David Goudenov. Joris était plus le Virgin Joris était plus fort que le Chad Lucas. Ah, au secours. Putain, ça aurait dû être le principe de la vidéo. Joris est rentré à la maison avec un projet scolaire, terminé ce projet. Ouais, je pense qu'on va terminer là parce que ça fait une heure quoi. Et c'est parfait ça. Il s'est passé tellement de choses, je pense que. C'est parfait ça. Le Virgin Joris a gagné cette fois. Il mérite du repas. Bon, c'est la fin de cet épisode de Sims 4 là. Avec Joris. Et Lucas. Rudy. Et Alexis. N'oubliez pas d'activer la cloche, de vous abonner. Surtout de mettre un pouce bleu si vous avez aimé. Abonnez-vous. Mettez un pouce bleu. Et dites-moi si vous voulez comment vous voulez que ça se passe la prochaine fois dans les commentaires. Est-ce que je dois ressusciter Lucas? C'est ça la vraie question. Ou est-ce que je dois laisser ça se passer comme ça? La vraie question. Bon. Adios. A good day. Hold up, who stop this, man? I don't know what I'm thinking about.